Good morning, Aleid, et nous sommes aujourd'hui le lundi matin, Abraham Yonah ben Chana Peggy Bat Esther, Nissim ben Aouda, et aussi une fois Trout, Bat Claudine Train, Asimra Bat Masoudi Betor Shachor Israël. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechet de Yot, Perikhe Mishnah Gimel. Rabbi Ishmael Omer, Shlosha Devarim, Mekole Bat Shamay, Omer Chumre Bat Hillel, Kohelet, Eno Metamet Ayadaim, Kedivre Bat Shamay, ou Bat Hillel Omerim, Metamet Ayadaim. Meichatat, Shasu Mizvatan, Bat Shamay Metaharin, ou Bat Hillel, Metamein. הקצח, או הקצח, בית שמיים מטהרין, ובית הלל מטמין, וכן למעשות. רבי ישמעאל אומר, רבי ישמעאל אנסניה, שלושה דברים מקולי בית שמיים מחומרי בית הלל. Dans trois domaines, trois sujets, on a vu encore des discussions entre בית שמיים ובית הלל, dans lesquels בית שמיים était plus permissif, plus mekel, plus cool, comme on a dit, que בית הלל, qui était מחמיר. Première discussion, קהלת אינו מטמא את הידיים, le livre de Kohelet, la Megillat Kohelet, qu'on va lire bientôt à Sukkot, Bezrat Hashem. Alors, selon Beit Shammai, le livre de Kohelet n'impurifie pas les mains, ne souille pas les mains. Vous ne comprenez pas? On va expliquer ensuite. Tel est la vie de Beit Shammai. Au Beit Hillel Omrim, Metamet Ayadaim. Mais selon Beit Hillel, ça rend impur les mains. Chachamim ont fait une xéra. Que tous les sifrei à Kodesh, les livres saints, c'est-à-dire la Torah, le Navi et les Ktubim, les agiographes, les prophètes, et donc c'est le Tanakh, quoi, Bikitsur, qui a été imprimé bien sûr sur un klaf, comme la Lacha, comme un Sefer Torah. Je ne sais pas si vous avez déjà vu en Israël, c'est fréquent chez les Ashkenazim, essentiellement chez les Taïm, les Lituaniens. Ils lisent la Haftara, le Shabbat, sur un vrai klaf. Ils ouvrent comme un petit Sefer Torah, comme ça, tout petit. Et là-bas, il y a à chaque livre, il y a le livre de Yoshua, Shoftim et Melachim. Et d'accord, Shmuel, Melachim, comme ça, ils sont tous rapportés comme ça, ils ont comme ça tous les livres du Tanakh. Et bien, il faut savoir que Rami ont fait une xéra de pour pouvoir éviter que les gens touchent, on va expliquer pourquoi, que les gens, on a voulu tenir à l'écart que les gens ne touchent pas le klaf directement, ne se mettent pas à toucher le parchemin. De ce fait, Rami ont dit, si tu as touché le parchemin, tu dois aller faire Netilat Yadayim, parce que le parchemin rend impur les mains. Ils ont fait quelque chose d'original, la Torah qui est Kedosha, qui est si sainte, si grande, malgré tout, ils ont dit, si tu la touches directement, tu dois aller te laver les mains. Telle est la Xéra telle qu'elle, avant d'arriver dans notre Mishnah, petite précision, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? En réalité, la Gemara dans Shabbat, elle explique, parce qu'il y a eu une époque où les Kohanim voulaient garder la Trouma. Or, ils avaient peur de laisser un pain de Trouma dans la maison. Et imaginez qu'il y a un étranger qui est là, il va dire « Ah, il y a du pain, j'ai faim, il va manger du pain. » Mais en fait, il est en train de manger du pain de Trouma, c'est assourd pour lui. Qu'est-ce qu'ils se sont mis à faire, les Kohanim? Ils se sont mis à le ranger, écoute, puisque la Trouma, elle est Kedosha. Et les Sifrei Kodesh, les livres saints, ils sont aussi Kadosh. On va les mettre un dans l'autre, un à côté de l'autre, à proximité, et comme ça, les gens, quand ils vont vouloir aller manger le pain, ils vont dire « Oh, c'est du pain qui est dans un Sefer Kadosh. » C'est que Kanirek, c'est du pain Kadosh, donc c'est de la Trouma, ils vont s'en écarter. Telle est la xéra générale. D'accord? Ah, je voulais dire l'essentiel. Et alors quoi? C'est quoi le problème de mettre la nourriture à côté d'un parchemin? Et bien le problème, c'est que du coup, il y avait des petits fourmis, des rats qui venaient pour manger la trouma, et entre-temps, ils faisaient commencer à faire des petits trous dans les parchemins de la Torah, des Nevim, des Kluvim. Donc, Rami, ils ont dit, tu sais quoi, c'est fini. On va être gozer, on va décréter une touma particulière sur les livres en parchemin, les sifrei kodesh en parchemin. Comme ça, si le parchemin il va toucher ta trouma, tu ne pourras même plus la manger. De ce fait, tu vas te tenir à l'écart et tu vas éviter d'abîmer les parchemins. D'accord? Ça, c'était pour la introduction générale. Maintenant, il y a une discussion technique. Est-ce que le livre de Kohelet, écrit par Shlomo HaMelech, qui apparemment est un livre de réflexion uniquement, et pas un livre inspiré de Ruach HaKodesh, de ce fait, est-ce qu'il impurifie, il rend impur les mains ou non? Et il y a en cela une discussion que selon Beit Shammai, alors, Kohelet et non metamet ayadaim. Kohelet ne rend pas impur les mains. Parce qu'il considère Beit Shammai que Kohelet n'est pas un livre kadosh. Tel est la vie de Beit Shammai, ou Beit Hillel Omrim, metamet ayadaim. Et Beit Hillel dit bien sûr qu'il est metamet ayadaim. Il souille les mains parce que c'est un livre kadosh. D'accord? Deuxième discussion, il y en a trois. Meichatat chasu mitzvatan. Beit Shammai metaharin ou Beit Hillel metamin. De Meichatat, c'est les eaux d'aspersion qu'on a évoquées dans la Mishnah précédente. Shasu mitzvatan. Qui ont servi à accomplir leur mitzvah. Soit, il y avait un Kohen qui est venu pour me rendre pur. J'ai touché un mort, il est venu avec les cendres de la vache rousse, mélangé à l'eau, et il va vouloir l'asperger sur moi, et il va l'asperger sur moi pour que je devienne pur. Donc il asperge sur moi, dès que j'ai une goutte qui va arriver sur moi, je suis devenu pur. Ce qui se passe, c'est que cette goutte, elle dégouline,
et elle va tomber de mes mains sur un aliment. Est-ce qu'elle a rendu cet aliment impur ou non? D'abord, avant d'y arriver, il faut d'abord une première introduction. Il y a une halakha très originale et particulière avec les cendres de la vache rousse et avec même l'eau qu'on a mélangée. C'est que c'est une eau qui est capable de rendre pure les plus graves impuretés, mais si quelqu'un de pur va le toucher, il va lui-même devenir impur, ou plutôt s'il va le porter. D'accord? C'est une eau, en fait, ça veut dire, c'est une eau, regardez, la, c'est en cela que d'ailleurs Shlomo HaMelech, il avait dit dans Amartir Kema V'Yerchokam Yerchokam Imeni, il avait dit justement, j'espérais que j'allais devenir sage, intelligent et comprendre la profondeur de la Torah, et j'avais laissé que je ne comprenais rien quand il arrivait justement à cette halakha, qui est Metaher et Tatmim, Vemetame et Tatéorim. Celui qui va déplacer de l'eau de la vache rousse, il va lui-même devenir impur, tandis que cette eau-là, elle est tellement grande qu'elle va pouvoir purifier les plus graves impuretés. D'accord? C'est la particularité qu'il y a dans cette eau. Concrètement, maintenant, on est dans Mechata Chassou Mitzvotan. Alors, on a dit que l'eau, elle véhicule de l'impureté, elle rend impure les choses. C'est même pas qu'elle véhicule de l'impureté, elle rend impure, alors qu'elle, c'est la pureté par excellence. Ben, si l'eau, maintenant, touche ma main, et qu'après ma main, elle dégouline et cette eau tombe sur un aliment. Est-ce qu'elle a rendu impur cet aliment ou bien non? Est-ce qu'on va dire que le fait d'avoir fini d'accomplir la mitzvah de s'asperger, que maintenant on ne peut plus récupérer ça et c'est fini? L'eau, elle ne rend plus impure. L'eau en soi-même, cette eau-là, ce n'est pas une eau impure. C'est une eau qui rend pure les impurs et rend impurs les purs. Donc de ce fait, une fois qu'elle a fini d'accomplir sa fonction, qu'elle a été aspergée sur moi, s'il reste une goutte d'eau qui va dégouliner de ma main, alors ce n'est plus considéré comme de la mechatat, de l'eau d'aspersion, puisqu'on ne peut plus l'utiliser pour l'asperger. Alors, Bémet, c'est l'avis de Bachamay. Mais Khatat, Chassou Mitzvatan, s'il y a de l'eau de Khatat, de l'eau d'aspersion, parce que les Khaté, ça signifie asperger. Chassou Mitzvatan, qui ont accompli leur mitzvah, c'est-à-dire qu'ils ont été jetés sur moi et que maintenant je suis devenu pur. Et cette eau, elle dégouline de ma main. Bachamay Metarin. Bachamay nous dit que sache que l'aliment est pur parce que l'eau a perdu cette caractéristique de rendre impur les autres choses. Au Bethilel, Metamin, Bethilel disent non, puisque finalement c'est de l'eau d'aspersion, c'est aussi impur, d'accord? À Katsar, dernier sujet, et cette fois-ci on revient dans les Chotumot Umasrot, et aussi on parle de tout en même temps en fait. À Katsar, c'est des petites graines, je ne sais pas, c'est comme des graines de pavot, du nailo en laz, et si ça vous intéresse en yiddish, ça dit du schwarz kimmel, je ne sais pas c'est quoi du kimmel, mais du schwarz, ça veut dire du noir, je ne sais pas, des petites graines noires de pavot, c'est un peu le même style en tout cas. Question fondamentale, est-ce que ces graines qu'on met sur du pain pour pouvoir lui donner un petit arôme, est-ce que c'est considéré comme de la nourriture ou non? Ou est-ce que c'est purement de la chomret ha'am vereach? C'est que pour donner un petit peu d'allure, un petit peu de goût au pain, mais ce n'est pas soi-même considéré comme de la nourriture. Si c'est considéré comme de la nourriture, ça implique plusieurs halakhot, tout d'abord. Ça peut véhiculer de l'impureté puisque c'est de la nourriture. Tandis que si c'est considéré que c'est pas de la nourriture, ça ne véhicule pas d'impureté. D'accord? Ça, c'est donc la première discussion qu'on a ici. Bet Shamay Omrim, où est-ce qu'il est passé? Voilà, à Ketsar. Donc le Ketsar, ces fameuses petites graines noires. Bet Shamay Metaharin. Bet Shamay disent que ces graines noires, elles sont toujours pures. Elles ne deviennent jamais impures parce que c'est pas considéré comme un aliment. D'accord? Ou Bet Hillel Metamin, et selon Bet Hillel, cette. Ces graines peuvent devenir impures parce que finalement, puisque tu les mets dans ton pain pour les manger en même temps que le pain, et ben ça prend un statut d'aliment, même cette petite graine, et de ce fait, ça peut véhiculer de l'impureté, même les graines. C'est vrai qu'on a discuté sur les l'ilchot touma vetahara, mais il en va de même aussi pour le rendre chayav de maaser. Est-ce que des petites graines, il y a tout un sujet assez long dans le tourmot ou maasrot, à définir, est-ce que les épices sont quelque chose qui sont imposés de tourmot ou maasrot? Il y a plusieurs avis, plusieurs caractéristiques. En tout cas, on a ici que ce fameux katsar, donc, il y a en fait une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Selon Bet Shammai, ce n'est pas considéré comme un aliment, ça ne devient pas impur, et tu n'es pas imposé de prélever ton tourmot ou maasrot. Je ne dois pas prélever ton tourmot ou maasrot sur des aliments qui ne sont pas des aliments. D'accord? Si c'est des plantes honorifiques, je n'ai pas de mitzvah, de mafrich, de donner au Kohen. On donne au Kohen ce que l'on mange uniquement. En l'occurrence, est-ce que le fait de mettre ces graines pour donner un arôme, ça s'appelle que tu manges ces graines, ou les graines tu les mets pour... Et de ce fait, donc, est-ce qu'on est chayav de trouver ton masrot? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, à la slacha, comme tu veux, salam.